Bonjour, mon nom est Claire Gravel, je suis sur CTV.com. Je vous présente la maison qu'on a achetée parce qu'on est devenu agent immobilier. On a eu en héritage une très belle maison, mais voyez l'extérieur de la maison, qu'est-ce que ça va être avant et après. Merci, bonne écoute. Je pense que je devrais vous dire, on était vraiment fiers quand... Quand on reçoit notre licence d'agent immobilier, agent immobilière, on veut tout de suite vendre ce qu'il y a de plus beau, n'est-ce pas? Et vous allez remarquer, regardez là, de dehors cette demeure-là. Est-ce que tu te souviens si c'est avant ou après le voyage quand on a fait... Avant. C'était avant. OK. J'aimais mieux te le demander. Bon, alors, en fait, voyez-vous, ici, on voit l'intérieur du garage. Mm-hmm. Vraiment dégueulasse. Il nous avait pas mentionné qu'il y avait de la peinture à faire. Hein? Mais il avait dit quelques réparations. Quelques réparations? Ben. Il me semble que je me rappelle avoir entendu que c'était authentique, mais... Ah, ça doit être pour ça qu'il disait que le bois de chauffage ne manquerait pas. On s'est retrouvé avec une grosse liste là, pour Canac, Marquis, Rona, puis Kent. Mais là, j'ai hâte de comprendre pourquoi. Il s'attendait vraiment à ce qu'on arrache tous les clous? Ouais. Garder les clous pour rénover la maison, d'après moi. Je suis content parce que quand tu as mentionné la plupart des pièces ont toutes des toits solides. Ouais. Attends un peu. Je vais essayer d'aller voir de quoi. Penses-tu que c'est rouillé, ça? Ben, semi-rouillé. Ah, semi-rouillé. Hey, ça, je vais vous dire que c'est rare de nos jours. Semi-rouillé. Ça veut dire que ça serait protégé de sa rouille, c'est ça? Oui, effectivement. Une palette de ta bois. Ta soeur, elle avait besoin d'une palette, hein? Penses-tu que celle-là, ça ferait? Trop gros. Elle, ça prend du 42. Ah, OK. Mais le bois, elle est bon. Le bois de chauffeur, oui. Oui. Ah, puis regarde les carreaux! Il y en a juste... Combien qu'il en manque? Deux? Il y en a deux qui sont... Ah, non, trois! Ah, bon, hop, il y a juste trois carreaux qui manquent. C'est quand même pas pire. Trois carreaux qui manquent. Les enfants, regarde, ça c'est le terrain de jeu parfait, hein? C'est le terrain de jeu parfait. Ça, c'est situé comme... Quand vous passez à travers de la porte du garage, là... Les enfants très mal là-dedans. Est-ce qu'il nous avait dit qu'il y avait une craque ou qu'il fallait passer entre la craque pour passer en arrière? Il nous a dit de passer sur le toit parce qu'il y a une craque là en haut. OK. Je pense qu'il va falloir qu'on lui dise... vois-tu ça ici? Oui. C'est parce que je comprends pas pourquoi qu'elle aurait laissé un bout de sa robe de noces s'accrocher elle-même. Ou si c'est pas de nylon? Peut-être tout un jartel. Les jartels? Hey, ils sont solides en maudit, hein? Il y en a des clous après ça. Oh, qu'on est chanceux, regarde, une belle... comment ça s'appelle ça, non? Une cloche. Oui, une cloche. Hey, la cloche authentique, ça, c'est originale. Ça, c'est les vaches. Ouais. Bon, ben, il devait y avoir un troupeau ou il y a un troupeau. Ouais. Bon, nous autres, on fonctionne avec plusieurs banques. Donc, vous les appelez, puis vous leur parlez d'une belle acquisition comme ça, là. La bonne nouvelle, c'est que ça, c'est déductible à 100% d'impôt comme perte, hein? Oui. Chut, non, dites pas que c'est disponible pour la perte, là. On va passer au suivant. Oui, merci. Ah oh, oui! Hey! Ça, c'est après qu'on a fait. La chambre des pieds. Non, des mains, je veux dire. Oui. Elle est belle, hein? On ne travaille pas pour être de même.
Très fort, très fort. Ça, c'est des armoires IKEA. Mais là, va falloir que je dise à l'ex-propriétaire, on a un autre problème, gros, qu'est-ce qu'il est allé mettre en dessous du meuble. Ah, les paniers. Ben non, mais tu veux-tu te coucher, toi, avec les paniers de recyclage, puis ça doit tuer de la merde. Non, ça, c'est pour mettre un rangement. Oui, mais je veux dire, il y avait deux chats, non? Oui. Puis il m'a mentionné qu'il n'avait pas fait de ménage de pain bout. Il a peut-être mis tout le monde. Ça sentira pas bon? Non. Bon, là, on s'excuse parce que. C'est-tu, Bro et Martino, c'est qui qui a fourni la TV? C'est la couille. C'est la couille? Ils n'ont pas assez un gros magasin pour ça? Parce que d'après moi, c'est. La TV avec une grosse chambre. Ouais, mais la TV. Ah, non, excuse-moi. Ça, c'est un papier peint d'une TV. Il voulait qu'on s'imagine. Ben, au moins, on va savoir que c'est la bonne grandeur, là. Ouais. Mais trop petite pour la grandeur de chambre. C'est vrai. Là, je viens de m'apercevoir, ils ont pas mis d'ampoule électrique. Hey, faut-tu être cheap? Trois. Trois? Ah, trois, c'est vrai. C'est vrai. Puis ça ici. C'est bon. La madame, elle faisait de la cuisson dans sa chambre. Ça ressemble au beurre antique, ça. C'est pas l'affaire macramé. Ah! Tu veux dire de la crème, là? Oui, c'est ça. Des huiles essentielles pour le corps? Oh, oui. Tu sais, pour mieux. Il y en a qui sont lits, ça doit être. Pour amener de la joie ou de la jouissance? Non, de la joie. Ah oui, oui, j'ai remarqué ça sur le lit. Dormir avec ça, c'est pas évident. Dormir avec ça, je ne sais pas comment ils font. Non, mais t'aurais pas peur de t'enfarger sans arrêt dans le plateau? Mais pour moi, ils mettent ça dans les pieds. Ou? Chaque personne met les pieds là, puis ils tiennent le même. Mais comment tu veux réussir à boire ça? Ta coupe de vin entre les deux pieds, faut que tu montes ça avec tes orteils. Ouais. La nouvelle technologie. Ah, mais oui, c'est vrai, avec la COVID, tu es obligé de boire avec tes pieds. Deux mètres de distance. Ouais, parce qu'il faut se laver les mains souvent, et les mains de rigueur. Ah, ben là, je viens de comprendre. Regarde, c'est pas de l'eau qu'il y a dans la coupe. C'est du savon à vaisselle. Ben oui, non, c'est du Purel. Ah, tu n'en mets ça avec moi la grosseur. Mais au moins, ils ont été faits, hein? Fait que dans la chambre, là, t'as du Purel en masse en masse. Fait que comme ça, tu peux nettoyer tapis, nettoyer châssis, nettoyer tout ce que tu veux, là, en avant et en arrière. Un grenier en haut? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu mets un grenier? Ouais, sais-tu, je pense, ceux qui ont fait la construction là-dessus, ils ont oublié un détail. Oui, c'est sur la TV qui est en haut. Non, t'as pas remarqué, y a pas de poignée. Si tu vas aller au grenier, faut bien que tu sois capable de débarrer ça. Ben non, il est de l'autre bord. Bon, on dit que c'est compliqué cette affaire-là. Ouais, on passe tout de suite. Hey, non, attends un peu. Regarde-moi l'autre bord. T'as encore les lampes. Hey, non, mais ça doit être. Non, c'est le miroir, parce que regarde que je suis suivi. Il reflète le miroir. Mais ça doit être stimulant, si t'es en train de faire l'amour, t'as l'impression que tu regardes un film de cul. Puis là, tu finis par t'apercevoir. Chérie, c'est nous deux. Merde, Mais ça doit être déconcertant, maudit. T'es en train de le faire, là, pour la première fois, puis... Hey! As-tu remarqué qu'il y a une autre couple qui nous ressemble de l'autre bord? Ben oui. Ben, t'attends, c'est nous deux. Ah! Oh, là, hey, ça c'est... La poignée de porte. Vous avez eu de la trouver, elle est plus croyable. T'as vu où? Elle pète ça. La voir. Pourquoi donc? Parce qu'elle n'a pas de main, ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis vous avez remarqué, il y a beaucoup de nature verte à l'intérieur de la maison, hein? Ouais. Nous autres, c'est un arrangement. La toilette est dans le milieu. Oui, c'est vrai. La toilette est. Non, la sonnette. Ah, la sonnette, ok. Oui, la sonnette est dans le milieu, oui. Mais t'as-tu remarqué, ça c'est la table. Ça, c'est la table pour s'asseoir.
Ça ressemble à un poêle. Ouais, peut-être. Puis nous autres, on a décidé, là, ça c'est un genre de nouveau style de maison. Le gazon est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ben oui, c'est vert, là. T'en plein ça? Le reflet du gazon qui tombe dans vite. Ah oui, mais tu vas remarquer aussi, il y a du gazon à l'intérieur. Fait comme ça, tu respires, tu sais, c'est la nature qui amène l'oxygène. Fait que tu respires de l'oxygène pur à tous les jours. Regarde, hey, tu te rappelles-tu combien de lumière qui a fait le mythe au plafond pour que ça allait l'air d'un ciel de même? On a mis pas mal. Ah, je pense qu'il y en avait minimum 25 hier. L'autre affaire aussi, il a fallu qu'on s'astine parce que quand on a racheté la maison avant de décider de la faire réarranger, il y avait un détail. C'était écrit maison à vendre avec option les clés. C'est ça, les clés d'entrée? Oui. Ah, il fallait donner quoi, 2000 pour ça? Pas loin. Pourquoi? Parce que c'est un dépôt. Ah oui, c'est ça, c'est un dépôt. C'est un dépôt. Hey, ils mettaient ça dans une petite boîte là, sécurisée à la banque. Avec un beau petit cordon rouge. Oui, c'est vrai, oui. Là, ils ont dit, voici les clés à votre maison. Hey, puis en plus, ils avaient mis ça dans un emballage de cellophane avec une boucle. C'est ça. Ah, c'était beau. Ah. Oui, ça là. Moi là, je... Ils t'ont mis du papier épouvantable. Ben oui, mais pourquoi? Ben après, ça faisait 2000. Voyons, la logique n'est pas là, là. Ah oui, c'est parce que les clés en question, là, c'est une édition limitée électronique Interac. Ah, tu sais que ça? Non, mais c'est parce que normalement, des poignées de porte, ça sert à quoi, là? Faire débarrer. En plus, c'est deux sockets. Barrer, débarrer. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais... qu'on a eu 2000, c'est parce que aussi, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que la première est vraiment esthétique. Ah, c'est une parure. Mais on dit, faites bien attention, on va vous fournir quelque chose, une genre de pain de pince. Quand vous allez venir pour débarrer le deuxième, là, il s'agit juste de se rappeler à ce moment-là que le premier tirait pas vraiment trop fort, parce que c'est fait un... C'est une espèce de plastique. Si tu tires dessus, ça casse tout de suite. C'est comme les autos, tu sais, ça se casse à rien. Ah! Oh. Ah! Oh. Hey, on était fiers! On était fiers de nous autres! On s'est arrangé pour que la pancarte à vendre, elle soit visible. Très visible. Mais tu te rappelles-tu la première journée, puisqu'on travaille avec temps des fêtes? À un moment donné, l'aéroport nous a téléphoné. Ils ont dit, hey, ça fait comme 6-7 avions, là, qui manquent de rentrer dans votre pancarte. C'est pas de notre faute, ça. Mais non, on l'a peinturé le même pour qu'elle soit plus... Ben oui, fait que, tu sais, on a dit à l'aéroport qu'il passe à gauche ou à droite, et ah oui, de toute manière, la pancarte à vendre. Ça permet aux gens de voir aussi qu'elle est à vendre. Mais, tu te rappelles-tu qu'on a eu plus d'appels téléphoniques après qu'elle ait vu ça? Hein? Ben oui. Oh, bon, ça veut dire que ceux qui étaient assis dans l'avion, ils la voyaient, là. Ben oui. Puis c'est un beau rouge, hein? Ben, on a oublié de mettre son numéro de téléphone. Colique. C'est bien trop vrai. Ah, mais c'est pour ça qu'à chaque fois que le monde passe et nous regarde, ils nous font des espèces de simagrées. On pense que c'est des alphagines. Oui, oui. Ils font ça de même. C'est ça. Ils nous font signe. Téléphone. Puis en plus de ça, on était chanceux. Regarde la belle journée ensoleillée qu'on a eue. Ah, et ça, c'est fait en plastique, là, thermopompe recyclé. T'es certain que même si. Hey, 12 tempêtes de neige, 10 orages électriques, ça n'a jamais cassé. Ça... Puis en plus, regarde, c'est pas pire, hein? T'as-tu déjà remarqué qu'elle n'a jamais bougé? Mais non, il vend pas. T'es en plein ça? La place qu'on était, il vendait pas. Regardez le salon maintenant. Nous autres, là, on a la touch, je vous dis. Le salon. Veux-tu me dire encore comment on s'est arrangé pour que ça allait l'air demain? L'inondation
Ah, ben oui, la mer. L'inondation, ben oui, ben oui. C'est parce que la maison, elle venait de Cuba, non, Cuba, je veux dire. La maison, elle venait de Cuba. Puis, comme vous pouvez voir, le divan, il était direct dans l'océan, là. Hey, ça, c'est un grand divan, ça. As-tu remarqué? Il fait quasiment le tour de l'île. Ah oui. Hey, c'est un grand divan. Ils ont mis une lampe pour couper la mer. Ah, c'est vrai. Ben, ça c'est un barrage, ça. Ouais. Ça, c'est le barrage hydroélectrique là-bas. Ah, je te dis. Mais en plus de ça, regarde, ça c'est le plus gros fanal qui existe à Cuba. À Havana, là, de même, tous les jours, t'as tout le temps de la lumière, même le soir. Ah, pis c'est tellement confortable. Puis ça, une fois que t'as débarré la porte, tu mets un petit peu de gazon, là, ben ça c'est direct dans le salon, ça. Ah, oh, oui, encore des arbres. Là, vous allez remarquer, on a même été gentil, on a mis une espèce de grand plat plastique. Fait qu'à chaque fois que je l'ai mis. Oui, oui, oui. Fait que les invités qui viennent, ils ont le choix. Ben oui. Les noix, les acajou, il y a des morceaux d'orange, il y a de la crème dans le milieu. Des crottes de chat. Ils fournissent les crottes de chat. Ah, oh, les coquerelles, excuse-moi. Ah oui, il y en a des coquerelles. La cucaracha, la cucaracha. C'est cuit dans le beurre sauté, ça là. Ah. Oh. C'est trop bien. Hey, je vous présente la salle d'invités. Ah, oh, j'étais fier. La salle d'invités. Tout d'élite. Avec un petit sein dans le fond pour vos pieds. Pour relaxer vos pieds. Puis, regarde le nombre d'oreillers à gauche qu'on leur a donné pour à choisir. Mais moi, je vais te dire que nos invités jusqu'à date qui sont venus visiter la maison, j'ai pas été content pantoute de ce qu'ils nous ont dit. T'en souviens-tu pourquoi? Non. C'est bien simple. Ils ont tout le temps chialé. Il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de drap. Regardez-moi le genre de lit cassé, là. C'est du beauty rest, OK? Ma semble, là, c'est déjà assez confortable. Puis on vous donne l'accès en masse à tous les oreillers que vous voulez, bon. Hein? Ouais, mais le drap, ça serait pas que c'est dans le fond. Oui, c'est vrai. Ben oui, c'est ça. Mais ça semblait aussi. La femme de ménage, elle m'avait dit, j'ai tout empilé ça un par-dessus l'autre. Donc, quand vous êtes des invités, là, vous avez juste à aller chercher les draps, les mettre sur votre lit. C'est ça. Hein? Puis là, en plus, hey, nous autres, on sait que pour le monde, c'est important de prier. Fait qu'on on a mis une. Il y a des affaires à faire là, pour faire vos prières. Pas les prières, matin. Ah, excuse. Puis t'as-tu vu ici? On a même installé toi. Ça, c'est moi qui ai demandé ça. Ça, c'est pour mettre nos pieds, ça. Tu sais, t'as marqué. Oui, c'est un coussin. Pour être plus confortable. Ben oui. Puis là, ici, il y a même le choix des menus. Hey, ça, on fait pas ça partout, là. Parce que la chambre des invités, il y a le déjeuner compris. Oui. Le reste de la journée, tu te débrouilles tout seul. C'est triste, mais c'est donc bien vrai. Ah, je voulais vous mentionner aussi, dans cette chambre-là des invités, vous allez remarquer qu'il y a minimum 1 mètre de distance entre chaque lit, mais restez au milieu, ok? Restez au milieu du lit. Là, vous allez avoir 2 mètres de distance entre chaque. C'est ça. Ah! Le chalet. C'est la maison qu'on a achetée avant. Ça, là, oui, ça c'est le chalet avant qu'on le fasse rénover. Ouais. Je vais vous dire, on peut pas avoir un chalet qui est moins bien fait que ça. Hein? Vous savez qu'il y a encore tout le monde qui reste dedans. Oui, c'est vrai. On appelle ça des itinérants. Oui, ben, voici la bonne nouvelle. T'as pas de porte-à-clé, tu rentres puis tu sors.
Oui, c'est vrai. Hey, c'est un château, ça, là. Regardez. Premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage. Le cinquième étage, puis la porte d'entrée, très facile d'accès. Il y a un beau jardin. Ça doit être parce que le paysagiste, il n'a pas encore enlevé son... comment est-ce qu'il appelle ça, non? Non, l'espèce de couverture là, pour cacher le gazon. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Ah, puis il y a l'air climatisé dans chacune des pièces. Ah oui, le vent part. Oui. Puis, l'entrée de la laveuse et sécheuse sont ici. Non. J'avais passé plus loin, moi. Ah, oui, t'as raison, oui. Parce qu'on s'est dit, ça va aller mieux quand tu fais ton lavage, ton séchage, que t'as une belle vue de l'autre bord. Puis ça, c'est vraiment neuf, ça. Hey, je voulais même te mentionner, le monde, là, on est tellement contents. Bien souvent, ils mettent leur bol, leur bobette. Toute question à faire sécher. Ça va bien pareil. Puis le toit, hey, ça c'est un autre toit. Regarde comment ce que c'est fait. On voit pas ça tous les jours, là. Ça, c'est un toit d'un matériel inconnu. Mais c'est comme impossible. Du bronze? Je pense que oui, du bronze. Impossible à casser. Il y a une cheminée, en tout cas. Ah oui, c'est vrai. Ben ici, la bonne nouvelle aussi, c'est que les nouvelles maisons, là, le Père Noël, là, pauvre petit. Hey, là, il va pouvoir être porté par la cheminée tout le monde. Moi, j'ai entendu parler, là, les nouveaux, le Père Noël, à cette heure, s'est rendu, là, qu'il faut qu'il s'achète, tu sais, les espèces de corsets pour les femmes, là. Un GPS? Pour que ça squeeze sa bédaine. Pauvre petit. Fait que là, il vient pour mettre ça, là. Hey, Mère Noël est contente parce que là, il devient. T'sais, il devient mince. Mais comment tu veux qu'il ait chaud? Il est habitué, le monsieur, à avoir de l'espace, t'sais. Oh boy. Mais là, ici, à ce moment-là, là, on considérait que les Pères Noël, il y avait un gros sac à dos. Hey, mais je pense à ça, même les nouvelles cheminées, qui sortent pas fin pantoute. Comment voulez-vous, le Père Noël, là, s'est rendu que quand il arrive sur le bord, il faut quasiment qu'il fasse comme s'il était en train de chier, hein? Non. Il faut qu'il s'arrange pour prendre un gros sac, là, puis là, il fasse descendre les cadeaux un en arrière de l'autre. Mais c'est pas pour rien que des fois, le monde commence à allumer leur feu le soir de Noël. À un moment donné, ils disent, calé, comment ça se fait que ça sent le plastique brûlé? Ben, donnez-y donc la chance, maudit, de descendre, là. Ouais. Faites pas brûler de bois ce soir-là. Lui, ben, il est obligé de se faire rôtir là derrière. Pas fin. Si tu mets pas de feu, ben, il va pouvoir descendre. Fait que vous allez geler. C'est ça. Mais, les cadeaux, tu sais, c'est comme la bouffe. Faut que ça soit frais, hein? Ben oui. Bon. Ah! C'est après. Ici, ça, c'est un... Moi, j'ai choisi que ce soit rouge parce que quand on met de la cire là, c'est plus visible que la vaisselle est sale. Ouais. Ben, je me souviens que tu avais même demandé au plombier, avez-vous des modèles de lavabo et des lumières? Tu sais, comme phosphorescent de même. Non, hey, même en pleine nuit, quand tu vois rien, tu peux laver ta vaisselle. Ben oui, dans le milieu. Ouais. Puis là, t'as même. T'as même ta champleur. Hey, puis la champleur, là, tu peux te. À côté, tu vas le bien de lui. Oui. Puis ça, c'est un. Ça, c'est du marbre. Quelle sorte de marbre? Quelle sorte de marbre que c'est? C'est le marbre en couleur. Oui, t'as raison. Ben, en fait, c'est du recyclage merdier, c'est ça? Oui. Hey, ils prennent de la merde à cette heure. Il y a parfum, là. C'est bien fait pareil, hein? C'est vraiment du marbre, de la mardrier. Ah! Pis ça a l'air exactement pareil. Puis là, regardez-moi le beau vert forêt kaki dégueulasse qu'en dessous. Là, je viens de m'apercevoir, là. Le charpentier, je pense qu'on va lui demander de changer les poignées. Ouais, comment tu veux rouvrir ça si ça a l'air des poids? C'est des petits poids, ça. Ça va être dur à Moses d'ouvrir ça.
Ah, puis regarde, les châssis aussi, c'est... Mais... Ah! C'est des miroirs, ça. Ben, je me demandais pourquoi est-ce qu'on voit du gazon. Les fenêtres, ouais. C'est des miroirs. Fait comme ça, tu vois le gazon. Dans la maison. C'est ça. Pas mal pratique. Ah! Je vais aller voir avant le couloir. Avant d'arriver dans la cuisine. Est-ce que tu te rappelles de l'artiste? L'artiste, il scrape tout. On a demandé à cet artiste-là, pourrais-tu nous faire une œuvre d'art, là, une œuvre d'art. Ça, là, il nous a dit, c'est estimé minimum à 10 millions de dollars. Hey, ça vaut la maison, hein? Fait que c'est tellement agréable. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont déjà venus voir la maison. Vous voyez, c'est lui, il a fait ça. Oui, il scrape tout, il est drette là. Puis là, le monde se sont mis à demander, il scrape tout. Est-ce qu'on pourrait avoir votre chef-d'œuvre? Non, non, il dit, regardez, quand la maison va être vendue, ceux qui vont l'acheter, ils vont avoir droit à ça. Mais, hey, en plus, ça a été verni, ça a été collé. Tu sais, pour garder l'authenticité, là, parce moi, que... Vous voyez, en tout, en arrière, il y a comme une tapisserie, puis il y a du bois un peu plus long. Ben, il m'avait bien dit aussi que ça, c'était... ça lui a pris... Hey, ça a pris beaucoup de temps, faire le chiproc comme ça, hein? Ouais. Tu sais, c'est... C'est trois couches. Ah, trois couches minimum, oui. Ça s'appelle quoi, déjà? Oui. M'en rappelle plus, oui. Quand il est venu pour l'expliquer, il a dit « m'en rappelle plus ». Ça s'appelle « m'en rappelle plus » parce que une fois qu'on l'a vu, dans tous les détails, dans toutes les parcelles de détails, là, de... Ah, encore, c'est beau, c'est tellement beau. Si jamais vous voulez avoir un duplicateur, il nous a promis que c'était possible de le faire. Lui, il peut le faire en plusieurs variations. Il y en a aussi qui travaillent avec des couteaux. Il y en a d'autres qui travaillent avec des bombes. Mais je vous dirais que le plus lui, beau... Lui, il l'a fait en main. Oui. Il l'a fait en main. Il l'a fait en main, puis il nous a dit qu'il faut vraiment avoir une touche spéciale. Parce que regarde, même ici, là, hey, ça demande des heures de travail. Hein? Ah oui. Tu sais, tu peux voir là le... Tu peux voir le dégradé, les dégradés de peinture. Hey, j'ai une couverture, moi, là. Ah oui! Ah, il y en a du matériel là-dedans. C'est de l'abstrait contemporain. Je pense qu'il doit y avoir des huiles essentielles. On a vu tantôt, ils en ont mis ses meubles. Ah, c'est de l'huile de peanut, ça. Mais faut savoir, là. Il y a juste les scrap tout qui sait comment faire ça. Quand tu travailles avec l'huile de peanut, il m'a mentionné, regarde comment ce qui était bon. Ça, c'est un 3. Un 3.0. C'est pour commémorer ses 30 ans. Ah, ouais. Commémorer ses 30 ans. En tout cas, c'est beau. Vraiment, là, je vais même vous dire que pour l'instant, c'est possible de visiter la maison, moyennant des frais, parce que l'artiste, il m'a dit, il me semble que c'est ça quand a commencé ça, au mois de... La pandémie a commencé, il restait poignant dans des portes. Depuis le mois de mars, c'est ça. Fait qu'il scrape tout, ça fait depuis le mois de mars qu'il travaille de manière assidue et acharnée sur m'en rappelle pas. Donc, c'est une invitation. Il faut que je dise, ils scrapent tout, là. Hey, puis regarde, excuse-moi, mais le raffinement. Ouais. Je t'ai pâté parce qu'il est parti avec le 3-0, après ça, comme l'entrée de porte ici. Non, plus loin, l'entrée de porte, où est-ce qu'il monte, là? Ah, oh, OK. Puis regarde, hey, ça, c'est encore plus large. Fait que je me demande comment il a réussi à faire ça. Oh! Oh! Ça, c'est la cuisine avant. Quel chef-d'œuvre, hein? Avec la lampe et vol, je pense. Oui. Là, il scrape tout, il nous a dit, je peux vraiment pas... Ça, il sera pas capable de le répéter. Non. Non.
Le plancher par terre, ça c'est pas Iscrap. Ça c'est sa sœur, c'est... Scrappeuse. Comment? Scrappeuse. Scrappeuse, oui. Alors, c'est vrai, c'est de la même famille. Scrappeuse, elle a fait cette pièce-là. Elle nous a même mentionné que c'était impossible. Ça, c'est vraiment exclusif. C'est pas comme ça, vous voyez, là. C'est du... avec un pinceau puis la garage de même. Oui, oui, c'est une technique spéciale. C'est ça. Oui, oui, c'est une technique spéciale. Puis vous allez voir aussi que l'abat-jour est intact. L'abat-jour est resté intact. Elle est tellement bonne, cette femme-là. La porte aussi. Ah, puis regarde ça ici. Et ça, il me semble qu'elle m'avait dit que c'était un dégradé de la Méditerranée, je pense. Oui. Oui, oui, oui. Ben, en fait, là, ici, vous avez le Liban. Je pense que par ici, ça serait comme l'Iran. Ça, c'est comme le bas de l'Afrique. Puis un petit peu plus haut, là, où est-ce qu'on voit plus rien, là. Ça, c'est parce qu'il y a trop de monde qui meurt, là. La Chine? Non, pas. La Chine, ça serait par là, là. Ah, excusez-moi, le Royaume-Uni, là. Ouais. Il va finir par caler, mais c'est pas grave. Ah, puis regarde en bas, hein. Une belle plage. Ah, ben oui, avec de l'eau ici. Fait que voyez-vous, quand on est dans cette pièce-là, on a vraiment une belle représentation internationale de l'art avec... Non, ça serait plus une piscine, je pense, pas une plage, hein? Ouais, plus une piscine, pour trop les trappes sont là. Exactement. C'est de la piscine. Oui. Ah! Parce qu'elle garde la porte, elle est intacte. Moi, je viens de m'apercevoir, elle m'avait mentionné aussi, elle dit, j'ai décidé de faire quelque chose de spécial. As-tu remarqué que ça, là, ici, ça peut tourner? Donc, ça peut tourner par en avant, ça peut tourner par en arrière. Ah, ouais. Oui. Fait qu'elle m'avait mentionné, elle dit comme ça, elle dit, de manière artistique, si vous recevez plus de monde, là, il y a un autre divan ici qu'on a de la misère à voir. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que la porte est faite comme ça. Une toilette. Comment? Une toilette. Oui, t'as raison. Ah, oui. Puis, eux autres, quand ils avaient la maison, il y a une nouvelle façon d'interpréter les affaires. Elle m'avait mentionné que la façon que ça fonctionnait, c'était comme ceci. Elle voulait s'assurer que l'on puisse voir vraiment d'une façon exquise. Ça. Et d'ailleurs, la toilette, écoutez, les toilettes, là, ça fait trop longtemps qu'on les regarde comme c'est pas vraiment beau à voir. Mais là, ici, Elle a dit, comme artiste, moi, je veux changer ça. Je veux que le monde puisse voir les toilettes. Puis que même quand on est assis dessus, qu'on puisse dire, « Wow, tu es en train de... » Fait que voyez-vous, ça, c'est la pièce qui est connexe. Ça, c'est la chambre de bain. Ouais, qu'on en a fait. Avec un petit bateau. Là, je suis vraiment navré parce que scrappeuse et scrappeux, ils nous ont mentionné, écoutez, un artiste, une pièce va être distincte de par son art, mais on ne peut pas faire toutes les pièces. J'ai dit d'accord. Là, ils nous ont dit, par contre, regardez, vous êtes déjà chanceux parce que les rideaux, quelle sorte de matériel qu'ils avaient pris, non? De... C'était pas de la broche à foin, non? Les rideaux qu'il a pris qu'il a restauré dans Madame... Comment elle s'appelle? À cour à scrap. Ouais. C'est ça, c'est le plastique dans lequel il enveloppe les autos. Parce que voyez-vous, on voit la reliure, là, vraiment, de la verdure qui se trouvait dans le salon. C'est loin pareil, hein? Ouais. Fait que ça l'attire beaucoup. Vous allez remarquer aussi que les lampions, ce sont les mêmes lampions qui viennent de l'autre pièce. D'accord. Oui. Puis regardez, hey. Un petit bateau. La bonne nouvelle, c'est qu'en recyclant la merde, puis en la mettant là,
ça a fait en sorte qu'on a fait une nouvelle maison faite avec du recyclage. Puis c'est beau parce que regardez, ça, c'est encore une fois, c'est de la merde recyclée, là. Vraiment retapée puis peinturée. Hey, enfin, on se sert de ça pour faire des matériaux. Oui. Ah. Oh. C'est la merde de bébé. Oui. C'est tout ça, c'est de l'entretien. Oui. Puis, regardez ici. Là, le contacteur, je vais l'appeler parce que ça fait deux fois que je vois le même problème. Il n'y a pas de poignée. Ben, comment tu veux monter en haut? Si tu veux mettre tes rouleaux de papier toilette à chaque fois que tu pousses ta belle, mais si t'es couché dans le bain que ta femme m'a dit, on n'a plus de rouleaux de papier toilette, tu vas pousser là-dessus, ça va tomber direct dans l'eau. Pas pratique pantoute. Là, il y a une télévision ici pour l'instant, c'est parce que le couple qui était là, il aimait bien gros s'enregistrer puis se regarder. Mais faut du choix pour tous les goûts, hein? Ouais. Puis voyez-vous, ici, la madame, là, elle avait une autre TV qui s'appelait Télécuisine. On le voit un petit peu dans le reflet de ça, c'est parce qu'en fin de compte, il y avait un miroir sur lequel ça bondissait puis après ça venait ici sur le bord des rideaux. Moses, des fois, ça peut être compliqué, hein? Ouais. Non, mais regarde, je sais bien de regarder ça à TV, là, en plus de te regarder tout nu, tu sais. Je sais pas, là. Voyez bien avant comment il était. Moi, je le trouve tellement beau. Est-ce que tu savais qu'on l'a gardé, ce bain-là? Ben ouais, on l'a gardé, C'est du pot pourri, ça, dans le fond. C'est du pot pourri. Je pensais que c'était de l'encens, moi. Ouais, mais il y a de l'encens de chaque côté du bain. Tu peux voir aussi le côté artistique autour du bain. Là. Hey, ça, c'est beau. C'est donc bien beau. Regarde-moi, tu sais, les traces. Je ne sais pas c'est quoi le nombre de l'œuvre. Non, je crapeuse. Ah, c'est certain que c'est scrappeuse. Mais regarde, même ici, là, c'est plus foncé puis c'est plus doux. Ah, je vais vous dire, scrappeuse, qu'est-ce qu'on aime beaucoup de son art. On peut regarder ça pendant des heures sans jamais s'écœurer. Ouais. Puis là, il faut que je vous dise... On s'est posé la question quand on a vu ça. Scrappeuse, elle nous l'a dit aussi, là. Elle nous l'a dit, OK? Ça, c'est bien important que vous sachiez. Scrappeuse, elle nous a dit, moi là, faut que je vous dise, d'accord? Faut que je vous dise. Je suis navré, mais vous n'aurez pas d'eau à travers les shampoos. Pourtant, les shampoos sont intacts. Oui, 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 mais elle nous a dit, c'est parce que tu peux pas avoir de bain sans shampoos. Ah. Les deux vont ensemble, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu en penses? Non. On pense souvent au montrer l'autre vidéo. Ah! Hey! Imagine-toi donc qu'on a passé toutes les photos. Ben, écoutez, je veux vous mentionner vraiment. Ah! Je pense à ça. Je pense qu'on devrait sélectionner la photo. Quelle photo selon toi là, qui serait vraiment la plus belle photo? Moi, je vais vous dire sans aucune hésitation, le bain, là, avec le pot pourri, il est beau. Mais je pense que... Attendez. Oui. La cabane à chiot. Oui. Ça, c'est autrefois la maison dans le côté. Ça fait la maison après. Oh! C'est tellement des beaux souvenirs! Ben oui! Hey, les parents se couchaient en arrière de la porte, les enfants se couchaient sur le tas de bois, du plywood. Le bébé couchait sur le... Voyons. C'est pas un bassinette, ça? Non, elle l'autre à côté. Ah, ici? L'autre, en bas. Ah oui. Oh, oui, ben oui. Là, t'étais certain que le bébé était en sécurité, il était accroché. Il était ouais. Des beaux souvenirs.
Puis je vais vous dire que ça, là, c'est la remise par excellence parce que vous pouvez, mon Dieu, vous pouvez coucher là-dedans, vous pouvez faire du bois, puis vous êtes certain que c'est des heures puis des heures de fun et de plaisir pour les enfants. Mais là, oublie pas de demander d'aller chercher son, ses palettes de bois, hein? Donc, on aimerait vous remercier énormément d'avoir regardé attentivement, puis on va, écoutez, ces artistes-là, la bonne nouvelle, ils nous ont promis, quelle que soit la maison que vous vendez, ça sera pas pareil, parce qu'ils ont dit chaque morceau est exclusif. C'est ça. Parce que même Scrapper, la première personne, ils ont reçu un couple, là. Ah, ils ont rentré, ils ont vu le couloir, ils ont dit « Oh monsieur, ça fait tellement différent, c'est tellement, tellement... » Puis Scrapeux, il a dit « Scrappé! » Oui! Non, faut pas appeler ça, c'est « Je m'en rappelle pas. » Oh! Alors, mais je peux vous garantir que les œuvres d'art sont toujours uniques, spéciales et extraordinaires. Alors, sur ce, nous vous laissons pour le temps des fêtes. Prenez le temps de regarder ceci. Et je vais vous mentionner, je peux vous assurer, en voyant à la maison de bord en bord les assurances, là, vous pouvez être assuré qu'ils vont dire oui. Hein? Oui. Ben écoutez, c'est parce qu'il leur faut un défi par année. C'est vraiment d'assurer une maison comme ça. Oui. Puis oubliez pas, quand vous allez l'avoir acheté, imaginez-vous dans quelques années, là, combien ça va valoir. Vous avez une pièce qui vaut 1,5 million. La pièce où est-ce qu'on voit le beau dégradé là, avec la piscine hors terre dedans. Vous avez le mur là, avec des trous qui vaut 10 millions. Hey, elle vaut combien, hein, tout et partout? Elle nous vient à 120 millions. 120 millions? On ne dira pas, là. On la laisse aller à un bon prix, mais... demandez pas de forcer la note. Puis, on a le financement. Il vient de passer, là, je demanderai sa carte d'affaires. Pour ce qui est des assurances, t'as-tu rappelé? Oui, j'ai appelé. On va avoir une réponse dans 2 jours. Elle est au centre-ville de Montréal, hein, c'est ça? Ben, il me semble que tu descends comme à la place Ville-Marie. Elle est entre l'ancien Subway puis le garage et ça. Ah, c'est ça. OK. En tout cas, on vous donnera les renseignements. Merci beaucoup d'avoir regardé notre émission sur cvtv.tk.